Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. On revient surtout pour la meilleure livre. Et c'est parti. Elle est déjà ouverte. Donc. Hop, spécial Victor Dixon. Donc c'est Phobos. Ouais, c'est ça. Donc juin 2009. Et le mois prochain, on a quoi? Le mois prochain, ce sera les tournois célèbres. Donc je crois que c'est Hunger Game et compagnie. Ah ouais? Ok, bon. À toi. Ah, tu pioches, bon. Oh, un tissu. Un gros tissu. Oh, c'est encore une pour mettre sur les oreilles. C'est une serviette de plage. Non. Je sais pas, oh, ouais, c'est la texture d'une serviette. Ouais, c'est une texture éponge. J'ai pas su. Qu'est-ce que c'est? Des ombres. Ouais. C'est Phobos? C'est doit être Phobos. Bah attends, on va peut-être mettre plus droit. Voilà. Ça. Alors, oh, elle est toute douce. On va faire un espèce de déroulé, genre. Poitou, 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 poitou. Voilà. Et de l'autre côté, c'est en mode tout blanc, tout doux. C'est, ouais. C'est vraiment doux. C'est... Ouais, c'est pas désagréable. Non, franchement, j'avoue, c'est cool. C'est surprenant. Je m'attendais pas. Bon, ouais. Après. Après, ça peut faire de la décoration. Il y a un petit côté carte de tarot, je trouve. C'est vrai. Ouais. Bah pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. C'est l'objet en lui-même qui est surprenant, je trouve. Ça aurait été un tissu genre... Bah en même temps, il commence à faire chaud, etc. Ouais. Donc avoir une serviette, c'est inédit, c'est une bonne idée. Alors, oh, un tapis de souris. Ah ouais. Le petit tapis de souris des familles. D'accord. Avec, il a l'air d'être assez adhérent. La matière, c'est un peu caoutchouc, mais caoutchouc. Que du quoi. Inédit. Vraiment, ouais, faut... j'avoue. Faut y penser. Elle est pas mal en plus, hein. Il est pas mal, je trouve. Bah... Être sur une box littéraire et avoir un tapis de souris, c'est quand même assez drôle. Enfin, on s'y attend pas. Ouais. Pas plus pour une box geek, mais ouais, pourquoi pas. Attends. Ah, des illustrations. Des cartes. Alors, on a quoi? On a Léonore. Pas mal. Et derrière, c'est la galaxie. Kristen. Kelly. On dirait Alice au Pays des Merveilles. Elisabeth. Et... Safia. Et Fanfan. Ils sont pas fous les boîtes. Ok, et c'est assez chouette, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. Mais le dos est aussi travaillé. Oh, le dos, c'est juste la voie lactée, mais c'est... C'est bien, ah, non, c'est joli, ça va vraiment dans l'ensemble, la thématique. Ouais, non, non c'est cool. C'est sympa comme tout. Moi, j'aime bien les illustrations, à chaque fois, elles sont vraiment très bien imprimées, le carton est quand même épais, ça s'abîme pas facilement, et sur une étagère, c'est... Ça rend très sympa. Ça rend bien. Ah, des marque-pages. Alors, des marque-pages avec, du coup, une bonne femme d'un côté... Et un mec avec un t-shirt Robocop. Écrit beau dessus. Non, mais c'est un extrait de Robocop. Mais oui, je sais. Mais en fait, sur le mec, ça fait beau. Pour ouais. Ça. Peut-être qu'il s'appelle Beau, hein. C'est un prénom aussi. Mais non, mais c'est pour le Robocop. Mais je prends mais là, là, là. Non, par contre, l'illustration de celle-là... J'aime pas trop. Ouais. Le gars, ça va. La fille, j'aime pas son style. Non, même le gars, je trouve que les traits sont assez simples par rapport à ce qu'on a pu voir. Ça dépend juste de l'illustratrice, hein, l'illustratrice. Ouais, je sais pas, enfin c'est... Ouais. Moi, pourquoi c'est pas mon préféré, je pense que je le mettrais pas en avant. Ah, il y a un truc. Il y a un magnète. Oh, j'ai dit, oh, le magnète. C'est une magnète marque. Oh, c'est... Elle est... Ok. C'est bizarre. Elle a une culotte quand même. Ouais, en fait, le bas, c'est un robot. Ah ouais, le bas, c'est un robot et le avec des requins. Et le haut, c'est une nana normale, c'est genre la petite elle humaine est... version robotique. Mi-humaine, mi-omniaque, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est revu, hein, pourquoi parmi pas. Les requins. En fait, c'est une bonne stratégie, comme ça, tu te fais pas manger par les requins. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Ou alors, ça vient en fait d'une histoire ou un truc comme ça. Je sais pas, on verra sur le petit. En tout cas, ça va, elle le vit bien, elle vit parmi les requins, mais elle est tranquille. On verra dans le petit dépliant. Ah bon, t'as pris le... t'ai miné ou quoi? C'est moi qui l'ai. J'ai piqué le livre. Ouais, il plus, est joli. Il est bling bling. Ah, il est bling. Ah oui, c'est comme les... Enfin, on dirait un... Alors, c'est Cogito. De Victor Dixon, du coup. Oh, le signe, l'ultime c'est... frontière sera notre cerveau. D'accord. Avec une espèce de petite île, mais on dirait qu'il y a des... Tu sais, comme les bateaux militaires avec des canons qui font... Ouais, ouais, bah c'est dû au fait de composants, c'est comme les cartes, etc. Alors, attends. Ah, il y a. Il y a du petit blabla à l'intérieur qui était caché. Un don du ciel. Roxane, 18 ans, a plongé dans la délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi, remplacé par des robots. Sa dernière chance de décrocher le brevet d'accès aux corporations, un stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie promettant de transformer n'importe qui en génie. Ou un pacte avec le diable. Pour les vacances de printemps, Roxane s'envole pour les îles Fortunées, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyberbachotage. Mais cette méthode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la substance même de l'esprit humain est-elle vraiment sûre? En offrant son cerveau à la science, Roxane a-t-elle vendu son âme au diable? Demain, l'intelligence artificielle envahira toutes les strates de la société. L'ultime frontière sera notre cerveau.
C'est pas mal. Ce que je trouve ça, enfin, je trouve que c'est assez sympa. En plus, il y a le côté bac un petit peu bachotage pour les... pour les élèves qui passent en ce moment le bac, et c'est une réflexion intéressante, je trouve, sur tout ce qui se passe. Juste envie de voir, parce qu'il y a certaines pages, non, en fait. Juste un petit truc. Alors, voilà. Il y a un petit papillon monarque, je trouve. Ouais, enfin, c'est pas un monarque, c'est pas une tête de mort dessus, donc je valide pas. C'est juste un phalène. C'est toi le phalène. Ouais, voilà pourquoi il y a des pages noires au milieu de tout ça. C'est, bah, c'est juste pour faire l'illustration. Il y a des dessins. Il y a du noir, attends. Ah là, là, là. Ah ouais, d'accord, il y a des illustrations. Il y a une map, regarde, il y a une map là. C'est bien fait. Ouais. Franchement, c'est un des plus jolis bouquins. De chez Milan, ouais, c'est un des premiers, on dirait presque un Illumic White. Ce que j'aime bien, c'est que là, le papier paraît un petit peu un papier... légèrement jaune, très légèrement. Ouais, ouais, comme si c'était du papier recyclé, parce que des fois, le papier est trop blanc, et du coup, enfin, c'est du chipotille, enfin. Mais quand regardez, c'est... Alors là, on a une espèce de circuit imprimé, et là, en fait, on a des espèces de petites lignes d'encéphalogrammes, en fait. Et du coup, quand on lit dehors, bah, c'est un peu... Il y en a à plusieurs endroits. Vas-y, je te laisse parler. Ouais. Quand on lit dehors avec les feuilles, quand elles sont bien blanches, en fait, ça brille trop, je trouve que ça éblouit, justement. Tandis que quand c'est un blanc cassé comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de lire au soleil, du coup. C'est moins mal aux yeux. Mais en tout cas, en mode circuit imprimé, il est très très joli. Il est vraiment sympa, il est vraiment vraiment travaillé. C'est quelle édition? Parce que c'est pas écrit. Non. Non, ça va être écrit sur la... Parce que franchement, je sais pas qui l'a édité. Oui, très bien travaillé. Collection... dirigé par Glenn Tavenek. Oula, si c'est pas un breton avec un nom pareil. Bah, je sais pas quelle est vraiment la En tout cas, c'est pas mal. C'est la première fois qu'on a ça et il est très bien travaillé. Ah, il est magnifique. C'est un bon choix. Le sujet a l'air d'être super intéressant, je trouve. Moi, j'aime bien. Ouais, en tout cas, pour revenir à la box, je trouve que c'est une box plutôt inédite avec des objets insolites pour une box littéraire. Et ça me rappelle un petit peu ce qu'on peut avoir avec les box anglaises style Inimic Light, etc. Avec des produits pas uniquement basés sur des marque-pages et des petites illustrations qu'on a quand même, hein, mais ouais, je trouve c'est que bien d'avoir un tissu. C'est sympa d'avoir une box aussi axée sur un auteur. Je trouve que ça permet vraiment d'approfondir un peu. Puis on a vraiment un ensemble. Bon, c'est surtout le marque-page. Ouais, je pense que ça va avec ça, hein, c'est celles-ci qui sont dans la délinquance, machin chouette. Ouais, ouais. Tu veux que je regarde un petit papier? Oui, vas-y. Alors, le double marque-page Cogito, c'est ça, hein, de son côté, avec son côté rebelle et son passé délinquante, Roxane est l'héroïne qui a du chien. Et pour découvrir l'identité du jeune homme Odo, il faudra bien sûr lire Cogito. D'accord, ok. Et le petit magnète avec la dame qui est moitié humaine, moitié cyborg. Alors, c'est une création de Tokyo 92, donc comme Alice au pays des merveilles, c'est le même. En arrivant aux îles fortunées, Roxane découvre un univers idyllique dans lequel les similarités entre les hommes et les robots sont tellement incroyables que les robots sont difficilement reconnaissables comme tels. Mais que se cache-t-il derrière ces avancées technologiques? Réponse dans Cogito. D'accord, c'est pas mal, franchement c'est cool, c'est une bonne box, je trouve. J'aime beaucoup l'esprit et le livre a l'air vraiment vraiment chouette. Franchement, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. L'histoire est très originale. Elle a l'air pas mal. Hein. Et franchement, c'est une box young adulte, mais je trouve que ça peut être juste pour tout le monde. En fait. Un peu pour tout le monde, ouais. Le thème abordé... Après, c'est le principe du young adulte. Le thème abordé parle à tout le monde, je trouve. Mais il est très intéressant. J'aime bien. Voilà. Bah, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, votre item préféré. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi, ce n'est pas déjà fait. On vous dit à une prochaine. Salut, salut, salut.